Wesh les potos, c'est Sois Cool au Mike et petite information en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un AverMedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 5 du pass de combat de la saison 4. Alors dans cette semaine, il y a un défi qui est tout simplement de fouiller 7 coffres à Dusty Divo. Donc je vais tout simplement vous montrer tous les emplacements des coffres de Dusty Divo. Donc d'abord je vais vous parler des coffres extérieurs parce que je pense que c'est possible que ce soit comptabiliser. Après, n'hésitez pas à confirmer dans les commentaires pour me dire si ça fonctionne bien ou pas. Alors, premier coffre que je vais vous montrer, c'est ici à l'entrée de Dusty Divo. Juste ici, il y a une maison et là, il y a un coffre. Donc, essayez de le prendre. Peut-être que ce sera validé. Après, ici, dans l'autre petite maison un peu plus loin, il y en a un aussi qui se trouve juste dans le coffre là. Essayez aussi pour voir si ça le valide aussi. Donc, il est juste là. Et après, il y en a trois coffres. Donc il y en a un qui se trouve ici, il y en a un autre qui se trouve tout en haut, voilà ici, et encore un tout en haut je pense, voilà. Donc il y a trois coffres aussi sur cette colline, donc c'est peut-être possible que ça fonctionne pour Dusty Divo parce qu'ils sont forts côte alliée. Après je pense qu'il y en a un sur une des antennes là-bas, donc on va aller vérifier, parce que je ne suis pas si sûr que ça, en fait non il n'y en a pas. Non il n'y en a pas près des antennes, je croyais qu'il y en avait un, mais en fait non. Peut-être, non il n'y en a pas. Mais il y en a par contre... au dépôt, je pense qu'il y en a deux. Ouais, il y en a deux, c'est ça. Donc il y en a un qui se trouve à l'intérieur du premier dépôt, donc en plein milieu ici, et il y en a un deuxième qui se trouve juste ici, près du cargaison, de la cargaison, juste avant de tomber dans le cratère. Alors quand vous ouvrez ce coffre, il y a tout qui tombe par terre, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Alors il y en a un autre juste ici, donc voilà, dans le conteneur juste là. Alors tout doudoum. Donc maintenant, je pense que là-dedans il y en a pas. Non, il y en a pas. Par contre, quand vous entrez par ici, il y en a un ici à l'intérieur. Donc, je pense qu'il est en haut, celui-là. Non, il n'est pas en haut. Il est là, à l'intérieur, voilà, derrière le rideau. Donc, quand vous sortez, voilà, on sort, hop. Il y en a un autre qui se trouve dans... juste là, ben voilà, dans l'autre petit bâtiment, juste à côté. Donc là, on se retrouve près de l'hélico. On continue, normalement, il y en a un ici aussi, voilà, dans la sorte de prison qui se trouve juste là. Alors on continue, ici il n'y en a pas je pense, non il n'y en a pas, ah peut-être dans, ah ouais si, là il y a deux camions, oh il y en a même un troisième là, oufti je ne savais même pas, donc là il y en a un, deux, voilà, plus celui qui est dans la sorte de prison, franchement il y en a vraiment pas mal beaucoup, hein. Donc ici je pense qu'il y en a même un ici, voilà en haut, ensuite il y en a sûrement un dans cette petite cabane là, ah non, j'ai rien dit, est-ce qu'il y en a un dans le camion là, ouais il y en a un dans le camion là ici aussi, voilà. Alors il y en a un autre, ce qui est bien avec ce genre de vidéo, bah, c'est que moi j'étudie complètement les emplacements des coffres, donc je sais exactement où ils sont, après quand je vais à Dusty Divo, je saurai exactement où il y a des coffres. Donc là il y en a une, donc c'est vraiment pas mal aussi. Là, est-ce qu'il y en a une? Normalement je pense qu'il y en a une aussi, derrière le rideau, non, alors là c'est en haut, voilà, en haut ici il y en a un. Alors on continue les tuyaux. Ah non, on continue pas par là, on continue par là pour rejoindre l'hélico hein, qu'on avait commencé. Ici à la tour, est-ce qu'il y en a un? Il y en a un aussi, voilà. Il y en a un à chaque tour en fait. Il y a quoi? Il y a plus que deux tours. Bon, en fait, il y en a peut-être déjà que deux. Mais vous avez vu, il y a des arbres aussi, il y a des arbres qui repoussent et tout, la verdure, le changement quoi. Donc là, on est près de l'hélico, donc ça, je vous ai déjà montré. Donc maintenant, on va rentrer dans le bunker principal. Et dans le bunker principal, il y a deux coffres, je pense. Non, un coffre, il y en a un ici à l'étage. Ah ouais, effectivement, il y a que un seul coffre. Alors, est-ce qu'ils ont rajouté des trucs? Ah oui, carrément. Ah oui. Ah oui, carrément. J'avais pas encore vu, mais putain, il y a un sale truc qui sont en train... En fait, on dirait un générateur, en fait. Une capsule. Peut-être une capsule qui renfermerait quelque chose. Je sais pas, mais je vous ferai une vidéo à propos de ça plus tard. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris quelques spots que vous n'étiez pas au courant. Peut-être qu'il y en a un dans le coffre, là, en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, en fait, celui-là, en fait. Il y en a encore un que j'ai oublié de vous montrer, c'est celui qui se trouve dans le petit camion ici. Donc voilà, ah, des nouvelles pierres. Je ne les avais pas vues, ceux-là. Je pense que c'est tout, hein. Je pense que... Ah, peut-être là-bas?
Peut-être dans le camion? Non. Dans un autre camion peut-être? Non, celui-là, j'ai déjà regardé, il n'y avait rien. Ah si, il y a un coffre aussi qui se trouve en dessous du camion de glace. Donc regardez, hop, qui se trouve juste là. J'allais l'oublier, le fameux coffre du camion de glace, hein. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à le casser à main nue ou alors utiliser un fort, ça fonctionne aussi bien. Donc voilà, j'ai tout présenté, tous les coffres, absolument tous les coffres. Donc il faut en trouver 7, c'est pas énorme vu tous les nombres de coffres que je vous ai montré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.